Ce bureau est composé de 13 membres, dont 6 issus de l'administration publique, 3 de partis politiques et 3 de la société civile. Cette équipe est dirigée par le gouverneur de la province du Wadaï, qui est représenté ici par le secrétaire général de la dite province, qui a été installé et a pour mission de vérifier sur le terrain l'existence et l'emplacement des centres de recensement et de lieux de vote et renvoyer les conclusions à la CONAREC centrale. Le chef de mission, Ali Bourmatreya, a laissé entendre que l'installation du CONAREC du Wadaï est une étape cruciale dans la préparation et l'organisation du référendum constitutionnel au Tchad. Le secrétaire général de la province du Wadaï, Bakary Sène Didigui, représentant le gouverneur, a remercié la délégation venue de N'Djamena pour l'installation du bureau provincial du CONAREC, la remise des documents du CONAREC au secrétaire général de la province du Wadaï par le chef de mission a mis terme à la cérémonie.